Bonjour, ça dépend de l'heure là où vous êtes. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse pour connecter dans notre radio qui est www.amaafricaworld.net. Que Dieu vous bénisse. Moi c'est Léon. Aujourd'hui, je vais encore continuer encore avec mon sujet que j'ai parlé depuis la semaine passée, qui était le titre de théologie en Afrique. Aujourd'hui, c'est conclusion et fin. Donc, comme j'ai toujours l'habitude de parler que non, quand on parle de missionnaires en Afrique, le missionnaire en Afrique, c'est ça, le même titre, le missionnaire en Afrique. Quand on parle le missionnaire en Afrique, ce n'est pas le sujet tabou là. Que non, il faut tout parler et considérer avec aussi que non, comment est-ce que l'Afrique peut développer sans l'aide d'Occidentaux. Dans tous les moyens, surtout nous, les théologiens, c'est pour cela que nous, je suis basé dans le missionnaire en Afrique. Le missionnaire en Afrique, c'est un grand sujet. Un grand sujet-là, un des sujets qui parle de tout qui concerne les colonisations, les postes coloniaux et de la poste coloniale et politique de l'époque coloniale et de l'époque moderne. Ce n'est pas le sujet là pour seulement parler pour 2 noirs ou 3 noirs ou 4 noirs, 5 noirs en Afrique, non. C'est toute Afrique entière, toute Afrique entière. Surtout quand on fait le débat sur les missionnaires en Afrique, moi j'ai souvent participé dans beaucoup de réunions sur les missionnaires en Afrique. Quand on parle ça, je parle beaucoup. Il y a aussi des clercs. Tu ne peux pas supporter. Tu peux aussi. Il y a aussi que non, des gens qui l'insultent aussi. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis cela? Non. Tout d'abord, il faut connaître
il faut connaître que non, les droits de l'homme. Qu'est-ce que les droits de l'homme? Qu'est-ce que les missionnaires ont fait en Afrique? Est-ce qu'ils ont respecté les droits de l'homme? Quand on parle les missionnaires en Afrique, il faut tout parler. C'est sans tabou. Ah non, pas ça, non. Si pas ça, ne parle pas, c'est les missionnaires en Afrique. Je ne sais pas qu'est-ce que les missionnaires en Afrique. Bon, maintenant, il y a des sous-sujets quand tu parles missionnaires en Afrique. Il faut tout parler. Tout parler. Je suis ici pour tout parler. Ce n'est pas difficile parce que les autres trouvent ça, c'est tabou de ne pas dire ceci, de ne pas dire cela. Moi, je vais tout dire. Le sous-sujet, c'est théologie noire. Après encore, si Dieu le veut, je viendrai avec un autre sujet, c'est théologie féminine, là où il y aura d'exposition, là où il y aura des sans tabous, là où il y aura des gens qui suivent par loin, vont entrer, là où il y aura des chaos debout. Donc, quand je viendrai avec le sujet théologie féministe en Afrique noire. Donc, aujourd'hui, je serai tout court parce que je n'ai pas beaucoup de temps. La théologie noire, c'est là où on parle sur le plan. Il faut qu'on parle aussi de l'économie. Il faut aussi que nous comprenions aussi les compréhensions de Dieu, les compréhensions des peuples noirs, surtout en Afrique, les compréhensions des peuples africains, la compréhension de Dieu sur le plan africain, la compréhension de Dieu, le peuple noir, sur le plan politique. Comment, pourquoi est-ce que quelqu'un qui parle politique ici? Non, je parle politique ici, c'est connexion entre théologie noire. Comment est-ce que la théologie, ça se trouve dans la vie politique, en Afrique? Ce n'est pas sans tabou, ce n'est pas le tabou là. On va tout parler ici. Donc, sur le plan économique, les missionnaires n'étaient pas descendus en Afrique, quand on dit toujours que non, l'Afrique est leur backyard. En anglais, on dit toujours Afrique est leur backyard. Backyard, c'est derrière la maison. Derrière la maison, on trouve des jardins. Ici, en Europe, derrière la maison, on voit des jardins, des tomates, là où on plante des tomates, là où on met des chênes, là où on met des choses, là où on met des quoi. C'est ça qu'on appelle Afrique. Ici, en Europe, si tu ne sais pas, je t'informe que non. En Europe, on appelle Afrique, c'est derrière la maison. The backyard, Africa is our backyard. This is how they call you. And c'est comme ça qu'on t'appelle, que non, Afrique, c'est derrière la maison. Donc, il faut toujours que non, il faut qu'on sorte derrière la maison pour qu'on vienne devant la maison. Comment est-ce que on va le faire, c'est ça. Donc, c'est pour cela que nous, je suis ici. Comment est-ce que toi, tu vas enlever des choses que tu dis, c'est tabou, ce n'est pas bon à dire. Il faut que tu le saches, que nous, il faut que tu sors derrière la maison. Quand tu dis, non, pas ça, ne touche pas ça, tu vis derrière la maison.
pendant. Bon, donc les missionnaires étaient là. Quand je parle des missionnaires, on voit des missionnaires hindouisme, on voit des missionnaires bouddhisme, on voit des missionnaires islamiques, on voit des missionnaires christianité, on voit des missionnaires des cas et des sikhs, Il y a aussi la religion de l'argent qui s'appelle il y a une religion là on appelle sikh. C'est comme la descendant de l'un des hindouismes comme ça. Il y a aussi leur, ils ont aussi leur missionnaire aussi. Tout le monde là, tout consort était descendu en Afrique, mais, ce qui était très important, c'est ça que non, ils ont visualisé, ils ont mis que non, l'idée là, que non, on va faire ceci, on va faire cela, on va aider. Donc, comme j'avais dit la fois passée, on avait aidé. Après maintenant, on avait aidé quoi? Sur quoi? Ainsi, par exemple, qu'on dit que non, les Blancs étaient venus en Afrique pour aider. Aider quoi? Toi, tu vas dire, comme tu es matérialisme, tu vas dire que non, ils ont construit cela. Ils ont construit cela. Maintenant, l'Afrique est plus beau que l'Europe. L'Afrique est plus beau que la France. Tu vois, maintenant, ils ont rien fait sur tous les plans. Leur objectif, donc, c'était c'est ça qu'on appelle en anglais black trade. Black trade, c'est le commerce du peuple noir. Black trade. C'était leur mission. Leur mission, au lieu de dire que non, on va faire black trade. Mais maintenant, quand on avait posé des questions avec leur organisation, donc on avait dit que non, pourquoi vous avez acheté des blancs, des noirs, donc, de l'époque là, pour les amener en Europe, sous contrôle de vos gouvernements maintenant, de le gouvernement et les organisations là ont répondu que non, on faisait pas le commerce de noirs, on prenait le noir pour étudier qu'est-ce que le noir pensait, tu vois. Ça, c'est des mensonges, parce que tu peux prendre seulement un noir pour bien éduquer et pour faire des recherches. Mais ils ont eu tout un continent pour faire des recherches, comment est-ce que les noirs pensent. Maintenant, pour prendre le barrelement, maintenant, ils étaient en train de fouetter, de frapper, de maltraiter, de coloniser, des injures. Mais là, ce n'est pas bon. Là, maintenant, vous dites que non. Non, que non, ne dit pas ça. Non, il faut tout dire. Quand on faisait ça, ils savaient ce qu'ils faisaient. Donc il faut que notre histoire là, que nous, pour dire que nous, on a fait ça. Bon, maintenant, quand les missionnaires sont venus, comme j'avais parlé un tout petit peu avec culture, ils ont comblé, quand on parle de post-coloniaux, maintenant, les post-coloniaux là, n'avait pas seulement colonisé l'Afrique tout simplement sur le plan psychologie, philosophie, tu
Tu vois, avec aussi que dans le plan culturel, quand on voit maintenant la façon qu'on fait que non, le mariage en Afrique, les dots comme ça, tout qu'on sort. Maintenant, ici, quand tu vois maintenant le mariage qui se fasse maintenant à partir des Africains, tu vas voir que non, la façon des dots est changée. La façon de faire des dots est changée. Maintenant, c'est les missionnaires qui ont fait tout ça, qui ont mis leur façon de mariage dans nos mariages coutumiers. Quand tu parles de mariage coutumier, maintenant, aujourd'hui, tu vas voir, on demande même des laptops, on demande même des ordinateurs. Maintenant, si moi, maintenant, je vous demande, donnez-moi les noms des ordinateurs à une langue nationale d'Afrique. Tu ne peux pas maintenant, parce que le mot ordinateur, ça ne se trouve pas en aucune langue d'Afrique. Pourquoi vous, dans vos mariages, vous demandez des ordinateurs? Maintenant, où sont vos coutumes? Où sont vos coutumes? Où sont parties vos coutumes? Maintenant, il y avait un blanc, l'ami de mon professeur, mon professeur nous avait dit que non, son camarade était parti à Kenya là, dans un village là. Maintenant, l'ami de mon professeur là avait vu les gens des villages là, de ces villages là, portaient des pannes. Il y avait des hommes qui portent des pannes. Maintenant, lui était un missionnaire dans le village là. Il voudrait que non, que les hommes puissent porter les pantalons, après que les chemises, je ne sais pas si c'était des Versace. Maintenant, il voudrait que non, les blancs et les Kenyans là poussent, les hommes Kenyans là poussent, les hommes Kenyans là poussent abandonner leur panne pour porter les pantalons avec des tricots de Versace, je ne sais pas c'est comment. Maintenant, les Kenyans là ont refusé catégoriquement. Ils ont dit que non, et ils ne veulent pas porter les pannes. Ils ont demandé à un missionnaire là, qui était l'ami de mon professeur, pourquoi toi, un anglais, tu ne portes pas les pannes, et tu ne portes pas la panne, et les pannes, tu veux que non, tu nous donnes vos coutumes à vous, à nous, pour que nous puissions changer nos coutumes. Maintenant, les Kenyans, les hommes Kenyans là, ont refusé de porter des pantalons que les missionnaires les avaient portés, les avaient amenés. Maintenant, ils ont chassé les missionnaires là. Le professeur là nous a dit que non. Son camarade a fui à partir des villages à pied, en courant, jusqu'à l'aéroport. Il a acheté les billets de 30 minutes pour rentrer en Angleterre. Parce que les hommes-là, au Kenya, ils ont refusé de porter des pantalons. Ils ont dit que non, tu ne peux pas changer nos coutumes. Maintenant, que non, tu vas voir que non, ils sont toujours avec quoi que leur panne, les hommes portent des pannes. Pourquoi? Ils ont gardé leurs coutumes. Tu vois, la Bible que nous prêchons ici, la Bible aussi, il y a des coutumes là-bas.
dans la Bible. Par exemple, je peux vous demander, donnez-moi là où on a écrit les prix des dots dans la Bible. Ça n'existe pas. Ça veut dire que non, chacun a sa coutume. Chacun de nous. Maintenant, quand toi, maintenant, tu abandonnes ton propre coutume, tu es en train d'envier. Tu vois, la Bible ne recommande pas. La Bible condamne l'envie. Dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 19 à 20, tu verras que non, la Bible condamne l'envie. Maintenant, toi, tu es en train d'envier les coutumes des autres. Quand on dit que non, on peut dire à une femme africaine, un petit fer, 2 jours, 3 jours, avec la panne, sans porter le pantalon ou bien les culottes. Tu vas dire que non, elle ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il est sous la domination. Tu vois? Que non, c'est pas mal. Tu peux porter tout ce que tu veux. Mais si, par exemple, tu te dis que non, il faut que non, tu portes un peu le panne là, la panne pendant au moins 30 minutes. Tu vas enlever ça rapidement. Pour dire que non, avant que l'Afrique puisse changer, il faut d'abord les mentalités africaines d'abord. Les mentalités est plus importante. Tu ne peux pas changer en dehors de la maison. Maintenant, au dedans là, il y a des saletés. On dit que non, en dehors, il y a des beautés, des fleurs, mais si tu regardes là-dedans, dans un tombeau là, tu vas voir que non, il y a les cadavres qui sont déjà pourris. Tu vois, avant de changer, avant de nettoyer dehors, il faut d'abord commencer avec la mentalité. La mentalité africaine doit d'abord changer. J'avais parlé avec un professeur, un docteur en théologie, et il m'avait raconté une histoire. Il m'avait dit que non, quand lui avait parti avec son secrétaire, il est un pasteur théologien, docteur en théologie, c'est un Ghanéen. Donc, il avait eu son secrétaire. Son secrétaire était une femme, une Anglaise. Quoi, que non, je peux dire que non, une blanche Anglaise là, une dame Anglaise. Maintenant, l'Anglaise là était allée avec mon professeur. Maintenant, mon professeur m'a dit que non, quand il était arrivé à Cameroun, maintenant il faisait le marketing de l'école théologie à partir de Cameroun. Maintenant, dans une église là, on priait. Maintenant, quand on a dit que non, quand il commençait à prier aux gens, waouh, le professeur m'a dit, quand lui, il imposait sa main aux gens, les gens ne tombaient pas. Maintenant, son secrétaire là, maintenant, il ne priait pas, son secrétaire là n'était pas même chrétienne, hein? Elle était efféce, elle ne croyait même pas à Dieu et tout comme ça. Maintenant, un de son secrétaire là,
était avec lui, quand son secrétaire aussi a pris le courage aussi de toucher aussi les gens. Maintenant, les gens tombaient par terre. Tu vois? Dans nos églises de réveil à Cameroun. À Cameroun, là-bas, maintenant, un Mokfossé m'a dit, oh, maintenant, qu'est-ce qui était passé? Moi, j'ai dit que non, c'est la complexité d'un Africain. Quand il voit les Blancs lui posent la main, il sent comme il a la puissance là, il est en train de bouger, les gens bouger. Mais son secrétaire là n'était pas même un chrétien. Maintenant, lui, il s'est demandé, il s'est posé beaucoup de questions. Moi, je lui ai dit, c'est la complexité d'un peuple africain. C'est comme ça que nous passons. Tu vois? Les choses là doivent terminer. Les mentalités en nous doivent limiter. Il y a des choses là que non, qu'on voit toujours, c'est tabou. Non, ce n'est pas le tabou. Il faut les dénoncer, il faut les parler, il faut l'exposer. Il faut, hein, quand tu parles avec quelqu'un de la fierté, non, il faut tout exposer parce que nos ancêtres ont connu, ont fait beaucoup d'erreurs. Ce n'est pas moi. Tu vois, quand moi j'ai vu que cette partie-ci, n'est pas bon. Il faut que j'enlève ça. Et c'est pour cela que non, il faut que nous, comme le peuple africain, il faut que nous changeons nos façons de voir des choses, nos façons de penser, nos manières doivent changer parce que eux-mêmes, tu vas voir comme on avait dit que non, il y a des Africains qui se trahissent entre eux. Même les Africains à diaspora ici, ils sont en train de trahir entre eux, tu vois. Mais ce n'est pas l'Afrique ne peut pas développer maintenant, demain, après-demain, mais ça prendra encore des siècles, peut-être 4 siècles, pas maintenant, c'est 4 siècles, avant que la mentalité à nous, le peuple africain doivent changer. Maintenant, j'avais vu aussi les Africains, là je parle toujours, je suis toujours dans les coutumes et dans la culture africaine, de ces sujets, les sous-sujets des théologies noires. Donc, il y avait aussi un film là, américain. Il y avait une partie de noirs là. Maintenant, il avait un blanc qui était venu pour demander des questions là. Maintenant, le patron là de maison là, le patron des clubs là, il n'entendait même pas les blancs là. Il faut qu'il y ait un interprète noir. Pas à cause des langues, mais que non, à cause que il faut qu'il y ait l'interprétation là, parce que lui, il ne voudrait pas attendre, écouter un blanc qui le parle directement, parce que il n'aime pas. Là, on appelle ça, c'est racisme. Maintenant, les cultures africaines, ne sont pas. Moi, je n'appelle pas que non, les cultures africaines, mais moi, je l'appelle les cultures afro
afro-western. Nos cultures à nous, hein, de ce sont des cultures afro-western. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui habitent ici en Europe, hein, et, lorsqu'il devient ou bien qu'elle devient un président ou bien quelqu'un de responsable là-bas en Afrique maintenant, il va dire que non. En Europe, quand j'habitais en Europe, j'avais vu ceci, j'avais vu cela. Maintenant, la personne là va faire tout pour que non, pour que le coin là, l'angle là de la culture puisse changer. Tu vois, maintenant, il y a aussi que non, des gens même qui pratiquent la Bible différemment en Afrique, même aussi que non, les Corans, même aussi les livres sacrés du bouddhisme, ou bien des hindouismes. Lorsque j'avais vu le bouddhisme africain, maintenant, le bouddhisme africain là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour adorer leur Dieu? Ils s'agenouillent. Il faut qu'on parce que en Europe ou bien en Asie ou bien quelque part, quand tu entres dans le temple là, tu vas voir que non, on met des pavements tout consort. Maintenant, dans les villages africains là-bas, dans le bouddhisme là-bas, tu vas voir que non, il n'y a pas de pavement. Il faut qu'on met des pelouses là. Il faut qu'on mette que non, des pelouses pour que les gens puissent s'asseoir. Tu vois, la façon d'adorer de Dieu, c'est aussi affecter le peuple africain. Quand on regarde aussi dans le côté islamique, on voit aussi des mosquées là-bas en Afrique. Il y a aussi que non, des gens là où, quand il n'y a pas de mosquée, les gens ils sont construits des maisons là avec des raffias pour que non, ils ont dit que non, c'est leur mosquée. Bon, maintenant, ils sont en train que non, d'utiliser des choses comme ça. Tu vois que non, les moyens de communication pour développer leur mission, c'est vraiment très difficile. Quand on voit aussi dans le côté christianité, dans le fond, au village là, quand on prend les communions, parce que dans le fond partie des villages africains, peut-être il n'y a pas du pain. Il n'y a pas de vin. Qu'est-ce qu'on fait pour prendre les communions? Il prend de l'eau avec aussi quelque chose qui représente quelque nourriture. On appelle les nourritures là comme le pain, tout qu'on soit. Bon, on peut prendre du fufu, on le met à côté avec de l'eau dans un verre ou bien dans un cup. Maintenant, on prend, on l'utilise comme communion. Maintenant, il n'y a pas de raffia, il parle même en dessous d'un arbre, il appelle ça l'église. C'est aussi l'église, parce que l'église, c'est là où deux ou trois personnes sont réunies, sont attachées avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu vois comment l'affection, tu vois comment est-ce que les missionnaires ont fait des choses en Afrique. Maintenant, qu'est-ce que maintenant les Africains et les missionnaires ont eu chez nous? C'est ça la même question.
from the world they had from us. Ils ont eu ils n'ont pas eu de nos traditions à nous. Ils sont partis avec nos traditions. Ils n'ont pas eu nos façons de s'habiller parce que eux-mêmes ne portent pas les pagnes, mais nous portons des pantalons avec nos femmes, nos enfants, des pantalons, des culottes, tout comme ça. Nous copions leur tradition, quoi. Ne dis pas, non, c'est tabou, ne dis pas ça, non, je vais le dire. Maintenant, ils nous ont porté leur caractère. Quand on parle de missionnaires en Afrique, s'il vous plaît, il faut tout parler, il faut tout dire. Qu'est-ce qu'on constate avant les missionnaires? Quand les missionnaires étaient là et après les missionnaires, il faut tout parler parce que c'est un grand chez-eux. Moi, j'ai fait des recherches, j'ai vu des grandes universités. Quand on parle des missionnaires en Afrique, ils parlent tout. Tu peux sortir de la salle en pleurant. Il y a des gens qui pleurent. Moi, j'ai participé des débats en missionnaire. En Afrique, il y a des injures. Même ici, il y avait un pasteur ghanéen qui voulait gifler la queen ici. Quand on avait dit que non, il faut demander les Africains pardon à propos des colonisations qu'on avait fait au peuple africain. Il y avait un ghanéen qui s'est mis debout pour gifler la queen. Parce que quand toi tu te dis que non, ah non, il faut jamais dire ça, non, il faut tout dire, ce n'est pas l'injure. Moi, je ne suis pas un raciste, monsieur. Je parle tout ce qu'on est en train de constater en Afrique, c'est tous les plans. Il y avait un Ghanéen qui voudrait gifler la queen ici, à la présence de tout le monde. Quand on avait annoncé, donc, il faut que l'Angleterre puisse demander le pardon au peuple africain. Tiens, ce n'est pas une émission là, non, on parle seulement d'un côté, non, on va tout parler. Si tu ne sais pas l'émission en Afrique, le sujet là, tais-toi, mets-toi assis, on va te dire que non, les blancs ont rien fait, les missionnaires ont rien fait en Afrique. Ils sont volés le minerai en Afrique. Ils ont tout volé jusqu'à présent. Maintenant, ils ont changé les systèmes, les méthodes style d'ISEM. Ils ont toujours la même méthode, mais les systèmes, ils ont changé le système là. Les missionnaires là, ce n'était pas des groupes religieux, c'était aussi des ONG européens, je peux dire, avec aussi les Arabes. Pourquoi ils ont mis dans la Bible là pourquoi ils ont dit que non, esclaves soient soumis? C'était la religion christianité qui était plus grand parmi tous les missionnaires. Même que non, les missionnaires et le bouddhisme, c'était petit dans le pourcentage. Même l'islamique, c'était petit. Même aussi l'hindouisme, les sikhs missionnaires, tout consort. Mais les missionnaires christianisme étaient grands parce qu'ils étaient très populaires aussi. Ils ont dit que non, si tu n'es pas catholique, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Qui a dit cela? Maintenant, Martin Luther King,
prévenir les contredits que non, ce n'est pas ça. C'est si quelqu'un n'a pas Jésus-Christ, si quelqu'un n'accepte pas Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur n'héritera jamais le royaume de ciel. À partir de 1600 ans, c'était le débat là. Maintenant, que les gens ne veulent pas les parler, les gens ne veulent pas que non, on va les atteindre. Ils sont affectés, nos coutumes à nous. Tu ne verras aucune place, que non, l'homme blanc porte des raffias. Ça ne se fait jamais. Là, c'est l'habillement. Mais alors, les mentalités, c'est très important. C'est que donc c'est très important. Maintenant, ils ont apporté. Mais comment est-ce que nous, maintenant que nous, les Africains, nous avons la conscience là que non, la femme soit humiliée. Tu sais c'est quoi? Je vais te l'exposer maintenant. Si tu vois dans les christianismes et christianisme catholique, tu vas voir que non, les sœurs, il y a des sœurs qui portent des foulards dans leur tête pour indiquer que non, la femme est inférieure par rapport à l'homme. Maintenant, quand tu regardes à côté d'arabes aussi, il y a des femmes qui couvrent leur tête. Pour dire quoi? Pour dire que non, la femme soit inférieure à l'homme. Maintenant, quand tu regardes maintenant en Afrique, on ne respecte pas la valeur des femmes. Pourquoi? Parce que les Africains ont eu les caractères là chez les missionnaires. Je sais que non, vous ne pouvez pas me croire parce que vous êtes toujours en bleu, vous êtes toujours aveuglé jusqu'à présent. Même si vous dites comment, moi je ne peux pas vous atteindre parce que moi j'ai fait mes recherches, moi je vous informe. C'était les blancs qui nous ont appris que non, les femmes soient inférieures de l'homme en Afrique. Parce que si tu regardes leur caractère, tu regardes encore que non, le caractère des musulmans là, je ne sais pas, le bouddhisme aussi, tu vas voir leurs femmes dans leur temple, dans leur mosque, les femmes sont toujours derrière là-bas. C'est le signe d'infériorité. Maintenant, quand ils vont venir, je me répète bien, quand ils vont venir en Afrique pour coloniser, pour acheter tes ancêtres, maintenant, ils ont apporté leur manière de voir des choses. Quand tu parles de missionnaires, si tu ne sais pas, un de mes missionnaires, il faut t'asseoir très bien. Parce que moi, j'ai participé à des débats. Là, on parle seulement des sujets missionnaires en Afrique. Il y a des blancs là-bas, il y a des combats, il y a des gens qui se battent dans la salle. Je vous avais dit, il y avait un Ghanéen qui s'est mis debout pour gifler la queen. Je ne sais pas si vous avez entendu cela. Donc, pour dire les sujets ici, il faut tout parler, c'est sans tabou. Donc, tu vas voir que non, les missionnaires ont porté leur façon de vivre en Afrique pour infériorité, pour nous mettre les femmes en tu vois, que non, ce n'est pas nos caractères à nous, les Africains, pour que la femme soit soumise. Ils ont dit que non, la femme soit soumise.
Maintenant, vous avez entendu les choses qui étaient passées ici en Angleterre avec le prince William, avec sa femme, quand on avait vu le mariage là. Et la fille a refusé, a dit que non, elle ne pouvait pas dire que non, et la femme soit soumise à son mari. Tu vois? Parce que c'est le signe d'esclavagisme. Maintenant, c'est comment? Maintenant, quand les conciles Éphèse ont pris les lettres de Paul, parce que l'apôtre Paul avait beaucoup écrit, il y avait d'autres lettres qui étaient perdues. Maintenant, ils ont validé là où l'apôtre Paul a dit que non, la femme soit soumise, esclave aussi, soit soumise. Maintenant, dans ces jours ici, il y a même 5 ans passés, il y avait un chercheur théologien qui avait dit que non, il faut qu'on enlève quelques versets bibliques, c'est pas bon. Maintenant, si maintenant on enlève que non, la femme soit soumise, l'esclave soit soumis à son maître, parce que le monde s'est développé maintenant. Si maintenant on enlève l'esclave, soit soumis. Maintenant, les femmes aussi vont dire que non, il faut aussi enlever les femmes, soit soumis. Parce que qu'on ne peut pas enlever un verset, ou bien même ils vont maintenant affecter beaucoup de livres sacrés. Le Coran aussi va être affecté aussi. Parce que le monde se développe. Personne ne peut pas être au-dessous d'un homme comme lui. Tu vois? Il y a beaucoup de terminologies, beaucoup d'aspects. Il faut que nous, les Africains, que nous soyons debout maintenant pour aussi parler. Donc il faut aussi qu'on parle aussi quelque chose de la part des Africains dans le Coran, dans la Bible, dans beaucoup de livres sacrés. On ne peut pas se mettre comme ça. Obéir toujours. Non, comme nos leaders ici, soi-disant des présidents africains, moi je l'appelle toujours les femmes à pantalon qui acceptent toujours que non, tout ce que le plan les dit, fais ceci. Tu vas voir un grand président avec beaucoup d'âge, il est en train d'obéir un petit blanc, tu vois, que non. Donc, ce n'est pas bon. Dans les sujets des missionnaires en Afrique, si tu n'as pas le cœur, si tu ne sais pas, mets-toi. Il faut qu'on t'explique. Moi, je participe toujours des débats ici, en Angleterre, même en dehors d'Angleterre. Je vois comment les gens se battent dans la salle, des blancs et des noirs. Je vous avais dit et je répète, ça toujours, il y avait même un Ghanéen qui voudrait gifler la Queen ici à propos de colonisation, à propos de missionnaires en Afrique. Ce n'est pas ça qu'avec mes qualifications, mes expériences, je viens ici pour amuser, de ne pas dire ceci comme si quelqu'un n'a pas d'expérience. Non. Si toi tu ne sais pas, tu t'assis. Donc, les missionnaires en Afrique étaient partis pour faire des choses critiques,
démoralisés. Ils ont planifié sur le plan mental, moral, sur le plan spirituel. C'est pour cela que nous apprenons. Si tu parles ceci, il y a les gens qui opposent. Si tu parles cela sur le plan religieux, les gens opposent aussi. Seulement des Africains qui opposent, mais eux-mêmes, ils savent tout ce qu'on est en train de dire. Tu vois, c'est pour cela que non, tu vas voir des cultures africaines sont affectées. Les mariages coutumiers sont affectés avec les cultures blancs sont là-dedans. Je peux vous dire que non, il y a même des cultures africaines maintenant qu'on demande à la femme. Est-ce que tu aimes ton mari? Dans le mariage coutumier, on demande la femme, est-ce que tu aimes ton mari? Le mari, est-ce que tu aimes ta femme? Tu vois? C'est les cultures western. Maintenant, les cultures africaines, on ne demande pas de questions pareilles dans le mariage coutumier. Là, je parle beaucoup de mariages. J'avais raconté des Camerounais pour demander leur mariage coutumier, comment est-ce qu'on fait beaucoup de choses. On dit toujours les mêmes, avec aussi des Congolais, avec des Zambiens, tout comme ça. Tu vois, ils sont affectés avec les coutumes européennes. Il faut comprendre l'idéologie que les camarades de mon professeur là, on lui avait chassé à partir de Kenya jusqu'à l'aéroport, parce que il voudrait que les Kenyans là puissent porter des pantalons. Ils ont refusé les pantalons. Ils ont dit que nous laissons avec nos pannes, nous. Maintenant, ils ont chassé les missionnaires là. Il était dehors de Kenya. Tu vois, parce que le monde est développé. Quand on est en train de vous dire que non, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on dise ceci, il faut toujours obéir, parce que il y a des gens qui font des recherches, qui consultent des bibliothèques maintenant. On veut vous dire que non, c'est un noir, non. On ne peut pas le croire. C'est maintenant que non, je vous dis que non, qu'il y a même tu vas voir comme des présidents africains qui se marient avec des blancs. Tu vois? Mais dans nulle part, tu vas voir des présidents blancs qui se marient avec des femmes noires. C'est très rare. Pour dire que non, au niveau des mentalités, nous sommes perdus. Peut-être. Après le quatrième siècle, l'Afrique peut développer, peut-être. Peut-être parce qu'ils ont démoralisé. Tu vois, que non. Quand je j'aurai encore la chance de revenir encore dans ce plateau, je vais encore parler de théologie de la femme. Théologie de la femme africaine. Là où vous allez craquer encore, on va encore craquer, là où je vais exploser. Il y aura des bombes anatomiques. Maintenant, si quelqu'un je peux recevoir des questions ou je m'arrête ici, on va voir quoi la semaine prochaine ou bien plus tard, si Dieu le veut. Bon. Je m'arrête ici pour
pour aujourd'hui. C'était moi, Léon Kabasele, dans l'émission des missionnaires en Afrique. Le sous-titre Théologie noire. Alors, j'envoie l'antenne à Technique. Allô, bonsoir Kabasele, vous m'écoutez? Oui, allô? Oui, bon, moi j'allais dire, parce que là, j'ai compris que vous avez dit que missionnaire en Afrique, c'était suite et fin. Donc, vous vous arrêtez dans cet enseignement-là, c'est ça, non? Ah, c'était pas missionnaire, mais c'était théologie noire que vous vous êtes arrêté. Oui. Ok, bon, en tout cas, j'ai pas eu beaucoup de questions à vous poser. J'ai pas vraiment de questions d'ailleurs. Mais seulement, je voudrais simplement demander aussi à propos de votre émission Théologie Noire. En fait, quels sont donc les remèdes que vous apportez maintenant à travers cette théologie noire? Quels sont les remèdes que vous appelez? Parce que on vous écoute plus parler de ce que le missionnaire qui sont venus ont fait et que c'était des choses terribles et qu'il faut en parler, qu'il ne faut pas cacher tout ça. Mais quels sont les remèdes? Parce que moi, j'appelle ça, c'est peut-être une sorte de remuer le couteau dans la plaie et laisser la plaie encore ne pas se cicatriser. Alors, maintenant, comme nous faisons un travail de la prise de conscience et de la guérison intérieure, je pense qu'il est aussi avantagé de proposer des remèdes. C'est-à-dire quoi? Est-ce que ce remède consiste à haïr ces gens qui ont fait ça ou alors de pardonner ces gens-là, mais d'en tenir compte quand même de ce qui a été fait pour essayer d'apporter une lumière de ce qui a été faux à la place de ce qui est vrai? Je ne sais pas, monsieur Léon Kabasele, qu'est-ce que vous allez nous dire comme conclusion qui est comme une forme de solution par rapport à cette théologie noire là? Donc c'était une façon de concevoir les choses, mais quel est votre remède? Hein, je vous repasse la parole en tout cas. Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous... Bon, et à propos de théologie, on laisse la qui sont développés dans
coutumes, différentes traditions, coutumes. C'est comme on se allô, allô. Bon, il y a un petit problème là. Je crois que c'est un problème technique de son. Je ne sais pas. Donc, comme vous étiez déjà à la fin de votre conclusion, parce que là, apparemment, la voix ne sort pas bien. Là, on me signale sur l'écran. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et pourtant, tout était normal. On n'a rien touché du tout. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez fait votre conclusion ou comment. Comme ça, on peut mettre même la musique parce que vous n'avez pas eu de pause. Donc, vous avez parlé une heure du temps d'affilée. Et qu'est-ce que vous souhaitez alors? Allô, monsieur Léon, vous dites donc on peut clôturer, c'est ça? Ok, merci beaucoup. Donc voilà, chers auditeurs, auditrices de Am Africa, compte tenu d'un petit problème technique, l'émission, vraiment nous l'avons suivie. C'était donc le missionnaire en Afrique avec ce thème théologie noire. C'était donc suite et fin de Léon, docteur Léon Kabasele de Londres. Voilà que nous arrivons à la fin de son émission. Nous vous demandons d'écouter la musique qui vous accompagne dans votre repos de soirée. Et nous vous souhaitons à tous une très 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 bonne soirée dans l'espace de Am Africa World, la radio du donner et du recevoir. Merci beaucoup et soyez branchés. Demain, les émissions, je tiens à vous rappeler. Demain samedi 4 mai, nous avons deux émissions, c'est-à-dire, non, je pense bien, c'est une émission espace UCD-RDC, l'espace qu'occupe l'unité centrale de la diaspora congolaise et que cette organisation
congolaise, purement congolaise, réunit tous les Congolais de toutes les tendances religieuses, associatives, politiques, mouvements ou de chefs d'entreprise ou de particuliers, mais le seul dénominateur commun, c'est le Congo et les Congolais. Alors, l'unité centrale occupe une place dans la chaîne Amafrica Media TV. Et c'est chaque samedi à partir de 20h, heure de Cologne, heure de Paris. Et alors, demain, nous aurons aussi des invités qui seront dans notre plateau, dans l'espace UCD-RDC, pour parler de la problématique de la RDC, des problématiques aussi de la diaspora. C'est toujours le sujet du jour. Et il y a l'invité aussi du jour qui sera aussi avec nous. Vous le saurez, vous le communiquerons dans notre page officielle de Facebook Amafrica avec K à la fin, K-A. Amafrica veut dire M-A, plutôt M-A, plutôt M-M-A-F-R-I-K-A. Juste comme ça, Amafrica. C'est donc la page officielle de Amafrica World.net où vous allez voir toutes nos informations, toutes nos émissions, les sujets, les sous-thèmes, le nom des animateurs et tout ça. Donc, c'est là où vous êtes informé directement sur Facebook, notre réseau social, et en même temps aussi sur notre site amafricaworld.com. Et demain, soyez branchés encore dans l'unité centrale, plutôt dans l'espace UCD-RDC à partir de 20h. Donc, chaque jour, à partir de 20h, normalement, il y a émission en direct, et sinon à 19h30 aussi. Cela dépendra aussi de certaines personnes. Il y aura occupé même à partir de 17h une émission, mais nous n'avons pas encore eu la confirmation de ces personnes-là pour leurs heures. Simplement, Amafrica est là pour vous donner de ses découvertes, de ses connaissances, de ses savoirs. Et nous voulons aussi recevoir de votre écoute, de votre attention, de vos suggestions, de vos conseils. C'est pourquoi l'on dit en un mot, la radio du donner et du recevoir. Je vous souhaite tous bonne soirée et surtout bon week-end à tous. Merci et que Dieu vous bénisse et bénisse Amafrica dans ses œuvres, bénisse toute l'équipe de Amafrica, bénisse tous ceux qui contribuent, le membre de Amafrica. Je salue tous les membres de Amafrica, je salue Maman Susanna, je salue Maman Ida, je salue Monsieur Pierre Macaulay, je salue Chababa, notre secrétaire, je salue le Maman Rachel, je salue beaucoup de gens qui nous écoutent en ces moments précis. Et je dis, en tout cas, restez avec nous et nous vous souhaitons bonne nuit.